Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer un petit blues qui s'adresse au plus grand nombre. Un blues dans la tonalité de mi qui va se jouer au doigt à la main droite. On est parti. Donc on va commencer par un coup percussif à la main droite où on va venir fermer le poing et on va venir taper sur les 6 cordes de la guitare. Ensuite, on va sortir le majeur ou l'index, un petit peu comme vous le souhaitez, moi j'utilise le majeur. Et puis je vais venir gratter les 2 cordes aiguës, tandis qu'à la main gauche, je vais venir bloquer à la 7e et la 8e case. Et puis je vais faire ce léger bend typiquement bluesy. Et là, vous avez remarqué le démanché, où je vais aller bloquer ici, à l'index, à la 3e case sur la corde si. Et puis très rapidement, un glissé. Voilà pour cette première phrase qui fleure bon le Delta Blues. On arrive à présent à l'accord du 4e degré, l'accord de la 7. Et là, on va commencer exactement de la même façon, avec un coup percussif à la main droite. Et là, on va jouer un accord de La qui va se transformer en un accord de La7. Voilà, donc attention à l'extension. Mettez bien votre pouce à plat derrière le manche, de façon à avoir le maximum d'amplitude. Ensuite, je vais aller chercher l'accord de Si7 en déplaçant la main gauche simplement de 2 cases. Et juste après cet accord de 6-7, j'ai l'accord de la 7. Donc très très simple au niveau de la compréhension. Encore une fois, attention en revanche à cet écart de doigt avec le petit doigt. Quatrième mesure, à nouveau un coup percussif. Là, on est arrivé sur l'accord de mi 7, donc le premier degré. Et là, encore une fois, je vais faire un plan typique du Delta Blues. Vous voyez, le fait ici de jouer ces 3 cordes, et puis de soulever le 3e doigt. Et après, vous avez bien entendu le même motif qu'au tout début. J'arrive à présent à la mesure numéro 5. Encore une fois, je commence avec un coup percussif sur les cordes. Puis là, je vais aller chercher dans le registre aigu des double stops. Voilà, ça, encore une fois, c'est une sorte de déploiement de l'accord de mi-7. Et là, un coup percussif juste après ces double stops. Et là, on va chercher l'accord du 4e degré, l'accord de La, comme précédemment. Et je me suis amusé ensuite à faire un shuffle. Et après ce shuffle, on retrouve exactement le même enchaînement d'accords que précédemment. On avait l'accord de Si7 et l'accord de La7. Et puis pour terminer, une phrase typiquement bluesy avec ici le sol qu'on va venir légèrement bender. Ici, on va avoir 2 notes en même temps avec le 2e doigt qui va glisser très rapidement. Et puis ici, le sol bécard, le sol dièse. Et puis pour conclure, la note demi-grave, la corde demi-grave plus exactement.
Et bien voilà les amis pour ce petit blues de la rentrée dans la tonalité de mi. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, je vous invite à aller soutenir la chaîne en allant télécharger la partie au format PDF et Guitar Pro 8. Puis n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Allez, à très vite.